Au nombre des officiers de l'armée malienne sur le front de guerre, une femme. Son nom, lieutenant-colonel Nema Sagara, master en sciences militaires et diplômé de l'école de guerre des États-Unis et contre le terrorisme. Cet officier d'honneur fait partie des officiers de l'armée malienne ayant conduit l'entrée des troupes maliennes à Gao sous le commandement du colonel-major Didier Dako, commandant en chef des opérations militaires sur la ligne de front. Portrait du lieutenant-colonel Nema Sagara avec nos envoyés spéciaux Moussa Ali Maïga, Aliou Touré. La première femme officier de l'armée malienne sur le front de guerre de Konna à Gao pour la libération totale du territoire malien des mains des terroristes islamo-djihadistes narcotrafiquants, la voilà. Son nom, lieutenant-colonel Nema Sagara. Elle fait partie des officiers maliens de confiance autour du commandant du tête des opérations, le colonel-major Didier Dako, dont elle exécute les ordres et consignes sans murmure ni hésitation. Et rencontre comme ici avec la presse. Avant d'entrer, je vais vous dire, c'est très dangereux. Faites attention au fil, ne touchez à rien, filmez et puis c'est tout. Parce que vous risquez de mettre votre vie et la vie des autres en danger. Ok, on ouvre maintenant. Diplômé au civil du CESAC de Dakar avec un diplôme supérieur en gestion, le lieutenant-colonel Nema Sagara est une ancienne de l'école militaire inter-armes de Koulikoro, de l'école de maintien de la paix. Mais aussi et surtout une diplômée de l'école de guerre et contre le terrorisme de Washington aux États-Unis et aussi de l'école supérieure Maxwell Air Force base de Montgomery, Alabama aux États-Unis, d'où elle sort avec un master en sciences militaires. La première femme africaine étrangère à fréquenter cette précieuse école de guerre des États-Unis. Diplômée de l'école d'application du service de santé de l'armée de terre du Val-de-Grâce à Paris, cet officier malien a aussi connu des écoles prestigieuses de formation militaire à Kaduna Djadji au Nigeria, au Texas aux États-Unis, à l'école de guerre de l'Afrique du Sud. Des performances et attitudes de fermeté et de rigueur dans le commandement qui la conduisent aussi à d'autres formations, notamment à Zagreb en Croatie, à Nairobi au Kenya pour le système des Nations Unies, à Strasbourg en France pour le cours d'être sur les droits de l'homme, aux Pays-Bas pour les cours sur le système de défense et sécurité de l'OTAN. En Hollande. Ils ont fui, ils ont laissé les maisons avec les armements, ils ont emporté ce qu'ils pouvaient emporter et les plus lourds, ils les ont laissés sur place. Le lieutenant-colonel Nema Sagara a été membre de la MINUD, la mission des Nations Unies au Libéria, où elle a occupé le prestigieux poste de chef de la cellule logistique militaire chargée des carburants, ingrédients de tous les véhicules et engins volants. Au plan international, le lieutenant-colonel Nema Sagara a pris part à l'exercice multinational Guidimaga 98 comme officier chargé de la communication au niveau de l'état-major des forces. C'est donc droit de retour des États-Unis qu'elle débarque sur le théâtre des opérations pour aider les autres officiers maliens autour du colonel Didier Dako au service de la patrie.